à l'occasion d'un entretien à découvrir dans son intégralité dans Téléstar, le lundi 26 septembre, Chantal Ladesoux a fait savoir si elle participerait ou pas à la saison prochaine de Mask Singer. Elle fait rire les téléspectateurs de Mask Singer. Chantal Ladesoux a rejoint le jury de l'émission diffusée sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a adoré participer au programme. Mais sera-t-elle présente la saison prochaine aux côtés de Kev Adams, Angoon et Jeff Panaclock? À l'occasion d'un entretien pour Téléstar, à retrouver dans son intégralité ce lundi 26 septembre 2022, la comédienne a répondu à cette interrogation. Oui, pourquoi pas? D'une émission à l'autre, c'est très différent. Et Chantal Ladesoux a eu la belle surprise lors du dernier prime de voir apparaître son mari, Michel Anseau, sur le plateau de Mask Singer. Cette surprise s'est organisée sur les chapeaux de roue. Ce n'était pas du tout prévu à l'avance. On m'a simplement demandé si je voulais me déguiser. Je l'ai endossé, mais il n'avait pas été fait sur mesure pour moi. J'ai pris le costume, je suis arrivée sur scène. Rien n'était écrit. Tout s'est fait dans l'improvisation, a indiqué Michel Anseau dans une interview accordée à Télé Loisirs, mercredi 21 septembre. Chantal Ladesoux n'a pas reconnu son mari dans Mask Singer. Et les jurés ont-ils été aidés pour trouver son identité? Les autres enquêteurs ont tout de suite blagué sur le fait que je pouvais me cacher dans ce costume, mais elle ne m'a pas reconnu. C'est Kev Adams qui a lancé le truc. Je ne suis pas sûre qu'il l'a deviné. C'est juste parce que mon nom était récurrent dans l'émission. D'ailleurs, il avoue ne pas avoir mal pris le fait que son épouse ne le reconnaisse pas. Je ne suis pas vexée. C'était rigolo. Elle m'a reconnu quand Jai dit que j'étais son manager de cœur. J'étais une fois de plus la victime de mon épouse.